Eh bien, salut tout le monde, c'est Rekobi115 et aujourd'hui les gens, on se retrouve pour le 23e combat du mode arcade sur le jeu Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, toujours sur la PSP. Et donc, le combat d'aujourd'hui va envoyer vraiment du lourd car c'est vraiment un combat très très intéressant. Alors, le 23e combat, donc c'est la fusion Super Végéto VS Bou Gohan absorbé. Donc, c'est la forme de Boubou, de Super Bou quand il a absorbé Sang Gohan Ultime tout simplement. Donc voilà, ça va envoyer vraiment un combat de malade mental. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Alors le chargement, il prend beaucoup de temps, moi je trouve. Ah bah ça c'était mon précédent combat que j'avais fait. Donc je vais mettre changer de personnage. Donc on va commencer, on va prendre Boubou et on finira par le plus puissant des deux, je trouve. Donc voici le super Bougon absorbé. Il est très stylé avec sa grande mèche qu'on voit ici là. Ouais, il est vraiment très stylé. Surtout j'aime bien ses attaques. De toute façon je vous les montrerai là. Et la fusion Super Végéto, voilà, très stylé aussi. J'espère que vous voyez bien, voilà. Et c'est parti pour le combat. Map aléatoire. Arène des Cell Games, d'accord. Sinon, à part ça, les gens, j'espère que vous allez bien, voilà, comme d'hab. Et que vous passez une bonne. Que vous. Voilà, que vous travaillez bien en cours et puis que tout va bien pour vous, voilà. Et que ça va continuer ainsi, et c'est parti pour le premier combat. Là, je suis en train de me faire dégommer. Ça commence très très mal. La projection. Alors, les attaques de Boubou. Alors, image rémanente, haute tension. Super Kamehameha, Makenko Zappo. Très, j'ai une attaque que j'adore, le Makenko Zappo, elle est trippante en plus. Et les super fantômes de Boubou. Fantôme Kamikaze. Ok. Et je vais vous montrer en première attaque le Super Kamehameha que vous connaissez, hein, bien sûr. C'est l'attaque basique du manga, quoi. Dommage, j'ai loupé. Alors, voici le super Kamehameha que j'ai encore loupé. Oh non, il l'a esquivé, comment il a... Oh là là. Ça va être un combat difficile, là. Bref, je vais vous montrer la deuxième attaque, le Makenko Zappo. Ah, dommage. Faut que je le touche. Ah, quel dommage. Voilà. 12 000 dégâts, c'est déjà pas mal du tout, c'est même beaucoup, je dirais. Voilà, j'ai enlevé son premier Senzu. Maintenant, les attaques de base. Alors, je vais vous montrer l'image rémanente. Ok. C'est parti pour l'image rémanente. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, quand il m'a frappé, j'ai esquivé son coup de poing. C'est ça, l'image rémanente. Mais ça vous le fait qu'une seule fois. Ah non, il m'a eu. D'accord, allez c'est parti. Deuxième attaque, donc c'est haute tension.
Ah voilà, ça c'était haute tension, ça augmente l'attaque et les boules de feu, je pense. Ah ben voilà, je l'ai eu enfin, je l'ai touché. Maintenant l'attaque ultime de Boubou. Les super fantômes de Boubou. Voici l'attaque ultime, les super fantômes kamikazes de Boubou. Que j'ai malheureusement loupé, mais qu'on va retenter une deuxième fois. Allez, s'il te plaît. Ok, je l'ai eu en plein dans le milieu. Ça, c'est cool. Et en plus, je l'ai tué. Ah, c'est son dernier Senzu. Et après, on inversera les rôles. Ah là là. Ah non. Voilà, en plein dans le milieu. Il est bientôt mort. La projection. Et là, je vais en finir. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini le premier combat avec Boubou. On va maintenant passer au deuxième combat avec Super Vegito, un petit rang B, ok. Là, ça va être très très intéressant avec cette fusion. Et bien évidemment, le dernier combat que je vous ferai sur ma chaîne, ça sera Super Vegito vs Super Gogeta. Je suis pressé. Et c'est parti. On va prendre Super Vegito. Et je vais prendre Boubou comme adversaire. C'est bon, ouais. Alors, map aléatoire, on va avoir la planète Namek. Ok, d'accord. Et ben voilà, c'est parti pour le deuxième combat. Let's go. Il a failli m'avoir là. La projection de Vegito. Ah, j'adore sa projection, les stylés. C'est parti pour les attaques, je vais vous les montrer tout de suite. En attaque de base, nous avons frappe rémanente, signe de victoire. En attaque spéciale, le Super Kamehameha, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, le rayon tranchant et le Kamehameha final qui est très stylé en attaque ultime. Donc c'est parti, je vais vous remontrer le Super Kamehameha. Cette fois-ci avec Super Vegito. Comme ça, vous pouvez voir la puissance. 13 622 dégâts, c'est beaucoup, beaucoup. Le rayon tranchant, s'il veut bien que je lui fasse. Ah mince, je me suis trompé de touche, j'ai voulu faire le rayon tranchant et puis j'ai fait le Kamehameha, désolé. Oh non, il m'a bien eu là. Bon allez, rayon tranchant. Ah, il fait que de se protéger. Ah non. Non, pas ça. Là, il va m'éliminer si ça continue. Allez, rayon tranchant, là. Enfin, voilà, voici le rayon tranchant. Attaque très très stylée de Vegito. Moi, j'adore, en tout cas.
suis fan de cette attaque. 9000 de dégâts, c'est pas mal. Les attaques de base. Oh non, il fait cher avec ces techniques-là. Alors, les attaques de base, je vais vous montrer la frappe rémanente. Ouais. Vous voyez, j'ai esquivé son Kamehameha. J'ai esquivé tous ses coups grâce à la frappe rémanente. La projection pour l'éjecter un peu plus loin. La deuxième attaque de base, c'est signe de victoire. On va faire ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais faire l'attaque ultime pour vous la montrer. C'est parti, Kamehameha final. Regardez-moi cette technique. Cette attaque ultime. Trop stylée. 20 080 de dégâts. C'est énorme, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous la remontrer une deuxième fois pour l'éliminer. C'est parti pour le Kamehameha final. Espérons qu'on le touche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. On finit ce combat en beauté avec le beau Kamehameha final. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est stylé, ce Kamehameha final. Moi, en tout cas, je l'adore. J'aime bien la brillance et tout ça. Bon, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, les gens, ben, n'hésitez pas à la mettre un max de like, voilà. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Et moi, je vous dis normalement à ce week-end pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera normalement pour le 4e épisode sur Pokémon Go. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.